Despite the defeat against France in semi-final, Belgian people are still celebrating, as you can see here. They are very proud of the national team, which shows strength and unity during the entire World Cup. A few minutes before the semi-final, Belgium-France, streets of Brussels are empty. We watched the game with Ahmed and his nephew Oussama in the municipality of Molenbeek. During 90 minutes, all Belgians of different origin were hoping for Belgium to qualify. During the World Cup, a large part of the Belgian population fell in love with the Belgian Red Devils, who are a model of diversity. Moi, ce que je retiens, et ce qui est très important à travers, je dirais, cette Coupe du Monde, c'est que la population belge a fait unité, que ce soit à Molenbeek, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Belgique, on n'a rencontré qu'un seul peuple, dans toute sa diversité, certes, c'est le peuple belge, de toutes les couleurs et de toutes les origines, et c'est ça qui est extraordinaire. The World Cup in Russia has left only positive memories in the minds of Belgian supporters. They hope that their team will go further in the competition in the future. En tant que Molenbeekois, j'ai soutenu les Diables Rouges tout au long de leur parcours dans la Coupe du Monde et je peux vous dire que je suis très content d'eux, malgré ils sont arrivés jusqu'en demi-finale et je suis très content et je voudrais dire vive la Belgique, vive les Diables Rouges et vive Molenbeek.